Et reprenons mes chers enfants, nos aventures avec Samus Aran. Je sais même plus où est-ce qu'on était. Ah ouais, on avait pas un boss à affronter. Ah, raté. En plus c'est vraiment des gros enculés. Mais merde, j'ai trompé de bouton. Oh ça va, il récupère, il redonne la vie. Ah, okay. Ah c'est moins pour passer, non mais alors là, on aura tout vu. Ok. On y va. Let's go. C'est vrai que je parle pas beaucoup, je suis déconcentré et concentré à la fois. Ce que je dis n'a aucun sens. Ah mais c'est vrai que je peux taper comme ça, ok. Merde. Allez, allez. Ok, il a fait apparaître le... Ok mais ça... Alors... Les cinématiques sont là pour te montrer des éléments de gameplay, mais le problème c'est que t'es tellement dedans que tu vois pas en fait sur le coup. Ah putain, mais il est trop... Hey. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que là t'as un boss qui... Voilà, et tu réapparais juste devant la porte, quoi. Putain, mais c'est pas ça, Metroid, bordel. Metroid, tu réapparais au checkpoint. Attends, 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 mais peut-être qu'il y a... Il y a même pas d'option, en fait, dans ce jeu. Putain, il faut appuyer sur plus et après sur moins. Oh, mais vous avez jamais touché un jeu vidéo de votre vie pour faire ça, c'est pas possible! On va y arriver. Ok. La queue.
a été touché. Putain, le truc c'est qu'il faut que je pense à... Attendez. Ah mais non mais bah alors là c'est... Bah là c'est pas possible hein. Attends mais il a combien de vies ce con là? Non mais attends mais j'ai forcément raté un truc. Il peut pas être là. Mais de toute façon je peux pas me barrer donc je suis obligé de l'affronter quoi. Ah mais non mais non mais... On a fait n'importe quoi sur cette phase. Hein. Ok, faut vraiment le spammer. Hein. Allez, allez. Putain, ok d'accord, fallait réussir le compte quoi. Oh putain mais je peux jouer en fait.
Merde, putain, mais j'ai pas les contrôles en tête là. Ok. Je vais niquer la mâchoire. Oh là là là, que c'est stylé. Le swag à l'état pur. Il a mangé la morphing ball. Non. Camouflage spectral obtenu. Quoi? Ah putain, je peux être invisible. Ok. Ok. Oh. Ah ok, c'est pour passer les portes bizarres, ok. Alors, qu'est-ce qui reste? Attends, là, il y avait un truc fermé. Là, moi, non? Ah oui. Est-ce que je dois aller? C'est quoi ça? Ok, faut que j'aille là. Mais là, il y a de la flotte. Attends, c'est quoi ça? Ok. Bon, on aura sûrement... Oula. Ok. On va revenir là. Pas rien là, ok.
Bref. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais espèce de connard. Alors. Oh là là, oh là là là, ce feu, qu'est-ce qu'il est mal fait! Ah, le vaisseau, ok. Ok, donc on est la première. Wouah, putain! Non, mais en même temps, c'est. Oui, ok. Ah, c'est du la chier! Ok, d'accord. Je pensais que toutes les zones étaient raccordées. Enfin, oui, elles sont raccordées, mais là, le problème, c'est qu'il y en a. Ouais. Ouais, ok, d'accord, non, ok, d'accord. Je pense, oui. C'est genre comme les ascenseurs dans les autres jeux. Ok, ça me va. Mais c'est plus cinématographique, on va dire. Mais par contre, je trouve que les zones sont quand même. Alors, autant cette zone de tutoriel, elle est très bien, cela dit. Parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments de gameplay. Ceux qui ont déjà joué à Metroid vont pas se sentir trop lent, quoi. Enfin, comment dire. Bah, déjà, ne serait-ce que je cherche cette putain de Morphing Ball et je l'ai pas. On est à 1 heure et demie de jeu là. Et c'est déjà assez stylé quoi. Oh là là, mais putain, mais regardez ça, c'est l'instinct du chasseur de primes, du Bounty Hunter. Bon, lui, je peux peut-être pas le tuer. Oh, y a un truc là, non? Ok. Cette DR semble fonctionner grâce à l'énergie thermique. Le magma est pompé à l'intérieur de la planète. J'ai localisé le système de contrôle central d'acheminement du magma. Il se trouve ici, à Qataris, Samus. Au Qatar? La maison actuelle ne peut pas te protéger dans ton exploration de Qataris. Elle ne résistera pas à la chaleur extrême de la lave. Si seulement tu avais gardé ton équipement de Super Metroid. Il semblerait qu'il y ait une navette quelque Ou part de dans ce système. Metroid. Ou de J'utilise la Metroid connaissance Fusion. Ou de Metroid 2. Ou de tous les autres Metroid. Il y a un autre sujet à aborder. Ta nouvelle compétence, le camouflage spectral empêche les ennemis de te détecter. Jusqu'à présent. Tu ne pouvais que fuir. Désormais, tu peux aussi les contourner. Sers-toi de cette nouvelle option pour atteindre ton objectif. Sache que le camouflage spectral réduit grandement ta mobilité. Et un contact direct avec un ennemi finira toujours par ta capture. Évalue au mieux tes possibilités et reste à l'affût de ceux qui t'entourent. Le camouflage spectral est inutile une fois qu'un ennemi t'a repéré. Tu dois échapper à la capture jusqu'à ce qu'il arrête de te poursuivre. Oui, bon, ça me Le semblait logique. camouflage spectral peut rester actif une fois ton haillon épuisé. Il consommera alors ton énergie vitale. Ceci doit être un dernier Attends, recours. quoi? Sache qu'il ne peut pas réduire ton énergie à néant, donc une utilisation judicieuse de cette technique augmentera tes chances de survie. Le camouflage peut rester actif une fois ton haillon épuisé. Il commencera. Putain, ça consomme de la. De l'énergie, ça? Enfin, j'avais testé. Ah ok, c'est la barre jaune, ok.
Enfin, je prends trop cher, j'ai pas les réflexes hein, de ce contre. Bon, par contre, que les ennemis réapparaissent pas dans les zones, là, franchement, les mecs, c'est vraiment Metroid Teletubbies sur 20, quoi. Ça, c'est un truc qui est un peu à chier, c'est que dans Super Metroid, les gâchettes te servaient à tirer dans les diagonales. Pourquoi je suis obligé de rester immobile? C'est pour ça qu'en fait j'ai ce problème. C'était déjà le cas sur le remake du 2. Hein. Ne pas pouvoir se. Enfin... Ouais, non, les gâchettes servaient à faire ça. Maintenant, ça te reste. Bon, bref. Ah mais merde, ok, ah ok. Commande, changer le... Charger le dernier point de contrôle, charger le dernier point de sauvegarde. Amiibo. Ok. Oula, oula, oula. Attends, quoi? Mais... Ok, ah merde. Ok. Là, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas l'option charger le dernier point de sauvegarde. Attends, mais attends, si, attends. Je vais chercher sur. Je vais chercher. Parce que forcément. Il y a forcément cette option, j'y crois pas. Je veux dire, parce que c'est vraiment trop facile. Attends, on va aller sur JVC. Peut-être un forum déjà. Il lui en donnait 18 forums. Checkpoint. Sauvegarde. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est vraiment une option possible au final. À moins qu'il y ait un mode. J'ai pas vu ça moi tout à l'heure.
Oh là là. Oh mais putain, mais je vais épouser cette femme. Merde, je me suis trompé de bouton. Putain, que c'est mal fait. Allez, encore un. Putain, mais attends. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, il y en a d'autres couleurs. Hein. Bon, ça c'est bien, au moins si t'as pas lu le tuto, au moins il te dit clairement. Ouais. Oh bâtard, lui il va dans les conduits! Il a fermé le conduit, hein. Ok. Oh merde! Oh mais... Oh, mais... J'avais vu... Ah non mais... Ah ouais d'accord, mais non mais j'avais pas vu que j'avais plus de vie moi. Quel jeu de merde! Quel jeu d'enculé! Oh merde. Quoi? Je crois que j'ai appuyé sur... Je crois que j'ai appuyé sur quitter. Bon. Oh là 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 là. Oh là. Ok. Allez, les chargements, allez! Avec tout ça, j'ai même pas pensé à regarder la boîte du jeu, quoi. Oh! Ah! Ce son divin! Oh, par contre, ça m'a sauvegardé.
Attends, je peux pas. Attends, est-ce que j'ai contré là? Je suis sûr et certain d'avoir contré. Ok, faut être. Ça m'a envoyé super loin quand même. Mais bon après, en vrai, Metroid c'est censé être ça, hein. J'aurais refait avoir quand même. J'appuie sur plus et ça fait rien. Oh non, parce que j'ai pas vu la cinématique. Ça considère que je ne l'ai pas vu. Ils sont horribles ces robots quand même. Parce qu'ils sont assez froids, je trouve, au niveau design. C'est le but recherché. Hein. Voilà, mais lui il est vert. On a vu deux blancs, un vert. Bon. Les blancs, j'aime pas ça. Ouais, je me suis piégé. Oh merde. Oh. Oh. Oh là là, la gros. Oh ouais. Le réflexe surhumain. Quelle joie d'avoir posé une journée pour jouer à ce jeu. Oh non! Merde! Oh. Voilà. Ok.
Oh, génial! Le flux de carburant thermique a été redirigé. Hop. Ah, oulala. Ouh. Alors, il n'y a pas d'intérêt que ce soit ça dans toutes les zones. Parce que franchement, ça va être ultra chiant. Il est tombé dessus, putain, c'est vrai qu'il y a une mini-map, hein. Non! Ah putain! Ah, le rythme il est pas toujours pareil, hein! Ok! Oh mais non! Alors en vrai, on meurt. J'ai l'impression que je meurs plus. Mais dans la mesure où t'as le point de sauvegarde juste à côté.
je reviens au point de départ, je comprends quoi. Putain, c'est une blague, je suis revenu au point de départ. Oula 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 oula. Oh merde. Ah oh, mais non mais what the fuck. Putain mais où est-ce qu'il faut aller là. Oula oula. Putain de saloperie. Alors, ok. La suite du scénario. Putain, ça parle beaucoup, hein. C'est comme dans The Rem. Hein. Sauf que cette fois-ci, c'est pas trop Samus qui... Quoique Samus ne parlait pas trop. Donc là il a mis de la peinture verte. Voilà. Tous les ennemis que tu croiseras disposent par défaut d'une capacité de transformation qu'ils utilisent pour circuler dans les espaces étroits. Ils s'en serviront probablement lorsqu'ils te pourchasseront. Tu ne peux pas détruire le revêtement de leur armure. Ce serait le cas même si tu étais au mieux de tes capacités. Tu fais face. Pourquoi j'ai pas une armure? Accepte ton impuissance. Étudie chaque ennemi avec attention et sers-toi du camouflage spectral pour avancer. Cette approche comprenez. Le camouflage spectral réduit ta mobilité et consomme plus d'aïon quand tu te déplaces ou quand tu tires. Mais elle demeure ta meilleure chance de survie. D'accord, monsieur le robot. Tu ne dois pas hésiter à détruire un ennemi chaque fois que tu trouves plus d'énergie singulière. Cela ne faisait pas partie de tes priorités de base, mais je ne vois pas d'autre priorité initiale. Ces menaces létales ne peuvent pas être tolérées. Ah oui, je sais garder.
Oh merde. Ah merde, je lui ai mis une beigne. Ok. Attention à l'Eminem. Ça a bouffé ma vie. Ok. Quoi? Mais attends, mais il y en a deux en fait là. Attends. Ouais, ouais, c'est, il y a deux verts dans la zone en fait là. Parce que c'est pas possible. Attends. Là j'ai une zone de danger et là j'ai une autre zone de danger aussi. Attends. Ah non, c'est la même zone hein. Putain, mais elle est gigantesque. C'est vrai que j'ai pas habité, mais il y a des changements d'écran sans pourtant avoir de porte. Hein. Attends. Ok, la lave a monté. Ah non, on l'a descendu. Oula, 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 oula. Putain. Ah. Je suis pas sûr que si le jeu tourne autour de ça tout le temps, ça soit vraiment fun. Hein. Oh bah non, mais non. Bon, j'ai même pas. J'ai même pas le. J'appuie sur le stick. Ok, allez, on continue. On continue, allez. Mais non, mais non! Mais non, c'est impossible. Bah, je suis trop con, j'ai...
Non, parce que tu peux quand même foutre un coup de pied, même pendant la cinématique, hein, où tu te fais crever. C'est moi qui fais le coup de pied, c'est pas la cinématique. Donc, Oh non, mais non, mais non, mais non. Non, mais là. Oh là. Non, non. Oh non. En fait, c'est pour ça qu'on réapparaît. À la rigueur que face à eux, on réapparaît devant la salle, ok. Mais là, j'ai appuyé trop vite sur. Putain, Nintendo, le jour où vous foutrez les boutons comme sur toutes les autres manettes, merci, merci. Ok, là, faut que je refasse tout ça. Attention, Samus, tu es en train de brûler. T'emmerdes. Voilà. Bon, bon, je vais dire d'où ça vient, c'est dans Saw, hein. Le flic à la fin de. Au début, de Saw 4 ou 5. Il fait, je t'emmerde. Voilà. Ok, il faut aller où? Ok. Oh mais putain de merde que les sauts de ce jeu sont à chier!
Mais merde, je suis revenu au point de départ, non? Ouais. Alors! Qu'est-ce que c'est que ça? Unité centrale. Attends, je suis allé là, 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 là. Attends, attends. Okay, de toute façon, c'est forcément là qu'il faut que j'aille parce que j'ai débloqué ça. Merde. Mais il faut que je suive ça, c'est forcément ça. Oh putain! C'est quoi cette porte? C'est quoi ça? Comment j'y vais là? Attends, moi je suis là, clac, 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 clac. C'est pas possible. Bon! Et si je peux pas y aller, c'est la porte est pétée. C'est quoi ça? C'est une recharge d'énergie? C'est chiant ce système là, sans déconner. Ah, ok, c'est ça, ok. Ça c'est quoi ça? Ça ça donne du feu, je peux pas y aller. Ascenseur? Ah, franchement, je suis perdu. Je vois vraiment pas ce que je dois faire.
Là, il y a un truc là, mais putain de merde, comment je fais pour arriver là? Attends, déjà faudrait que j'essaie d'arriver là, mais je peux. C'est pas possible. C'est un casse-tête, hein, quand même. Il y a des mobs qui sont apparus là. Oh, attends là. Ok, attends, faut arriver jusque là. Donc là, clac, 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 clac. Oui. Ok, c'est ça. Ok, boule d'énergie. Ok, donc celui-là... Oh putain, merde, what the fuck. Ok.
Ok, c'est bon. Ok. Ah! Ah, attendez, mais par contre, oui, c'est vrai, ça vous voyez pas, par contre, ma jauge de. Cam droite. On va la descendre. Non, bien sûr, OBS est bien fait. Ah, bah, quand je vois pas mon retour. Encore plus bas. Voilà, ce sera mieux. Comme ça, vous verrez l'intégralité de mon. La... Ah, je suis des. Morphing Ball? Non. Qu'est-ce que c'est que ces incroyables machines? C'est un ascenseur, ok, d'accord. Ok! Quoi, mais je peux déjà me barrer? Non? Mais. Attends, mais j'ai même pas affronté le. Mouragir! Oui, j'ai même pas voté encore le Wisher. Bon. Ouais, je pense qu'on va faire un. Allez, let's go! Eh, c'est sûr, en vrai. Ouh, c'est moins stylé en vrai. Toutou toutou, je m'emmerdais dans le tramway. Allez, c'est un changement ça? Ouais, visiblement. On va appuyer sur start. Eh vite. Deron. On a sur un petit shiny. Ouh, là par contre ils mettent beaucoup plus de coups là. Ils font mal ces bâtards. Hein.
Ah, c'est le grappin. Courant. Putain, c'est joli, hein. Ah, c'est joli. Vol. Rayon large obtenu. Ah. C'est bon, j'ai compris. Oh! Quel gros fils de pute! Oh merde. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Plus on avance, plus c'est dur de... Mais je pense qu'on pourrait refaire un petit demi-tour dans l'autre planète maintenant. Parce qu'on a des trucs... on peut ouvrir des portes supplémentaires. Oh bah attends, d'ailleurs il y a un ascenseur là, non? Non, même pas. Ah oui, voilà, je suis revenu en arrière, ok. Ah bah let's go.
Je me faisais chier dans le métro. Bon. J'aimerais qu'on tue au moins le verre, histoire qu'on puisse clôturer l'épisode ici, mais. Ah. Culé de sa race. Ah non, c'est ça les boss. Pourquoi on est obligé de maintenir cette merde de touche là? C'est grave with the brain. Ok, let's go! Nous avons tué le verre. Et du coup, je peux. Morphing Ball? Oui! Enfin! On va pouvoir vraiment jouer à Metroid, enfin! Oh là là, fou! ZL et. Oh là là, oui! Oh, j'ai envie de me. Pas! Oh, elle est dégueulasse la Morphing Ball, mais bon. Ok! Ah, par contre, j'ai pas la boule collante.
trouver un point de sauvegarde. Qu'il y a une nouvelle. Ok. Et sur ces mégères enfants, on va arrêter cet épisode là. Voilà, nous avons la Morphing Ball enfin au bout de 2h30 de jeu. Et je vous dis à plus dans le Twice Emus.